chute et je vous retrouve aujourd'hui encore avec un petit quick. Hello. On vient de tourner pour la chaîne de Roman un challenge qui consistait en fait à deviner avec des emojis des Disney. Et du coup on s'est dit que c'était super cool comme idée, d'ailleurs on a adoré le faire. Et on va retranscrire ce concept, mais cette fois-ci sur des youtubeurs. Donc on a chacune préparé 10 youtubeurs avec l'image des emojis, on va devoir les deviner. Donc voilà, chacune en a préparé 10 et on va se les passer en même temps pour voir qui devine le plus rapidement voilà. Le youtubeur que l'autre a mis en emoji. Donc du coup bah écoutez, on va commencer tout de suite. Voilà, moi j'ai mes youtubeurs qui sont là. On commence par un très facile et comme ça c'est la première. Enfin, je vais mettre le plus facile que j'ai. Donc j'afficherai sur l'écran les emojis au montage. T'es prête? Ok, 1, 2, 3. Timothy Shape. C'est YouTube? C'est YouTube. Et un mixeur ou c'est juste YouTube? C'est que YouTube, j'ai mis que de l'huile. Pourquoi t'as mis une courgette? C'est une aubergine, c'est ça? Pourquoi t'as mis une aubergine? Bah justement pour la... pour le distinguer, comme dans sa chanson, il a mis une aubergine. Ah, j'ai eu peur. Parce que l'emoji aubergine. Voilà toi. Et Thibaut InShape, bah obvious, c'est pour ça. Non franchement il est bien. Il est bien, il est mignon et tout. Bon, un point pour toi parce que t'as trouvé Thibaut InShape. Moi j'ai commencé vraiment par le plus simple. Hein, on s'en fait encore les faciles, on se garde les plus difficiles pour la fin. Ok, d'accord. Je vais prendre celui-là. 1, 2, 3. Cyprien. Cyprien. Non, pourquoi? Parce qu'il a fait des pistaches sur McDo. Non, ça aurait pu. Non, c'est plus compliqué. Ah, j'aurais pensé que ça aurait été plus simple que t'avais. Mais moi, je me suis dit, tu m'as dit que c'était évident. Bah oui. David Lafarge. C'est évident, mais pas David Lafarge. Ça aurait pu. C'est lequel? C'est quoi ça? C'est des frites. C'est de la frite. Bah oui. C'est un garçon, c'est de la frite. Et pas Cyprien. Ah, bah oui. T'as vu? Cyprien. J'ai fait des petites scies parce que c'était un couteau. Il y avait pas de démon d'ici. Du coup, j'étais deg, donc j'ai fait des petites. Ouais. Pas mal. Not bad. 1, 2, 3. Le roi des rats. C'est quoi ça? Attends, attends. Android Phoenix. Ah ouais. Le tien il est bien. Bah, c'est pas si. Le Android Phoenix. Bon. Avoue, il est bien. C'est pas mal. Petit feu en fait de l'oiseau. J'ai mis trop de temps à réfléchir. Le mien était trop facile comparé au tien. 1, 2, 3. Natou. Ouais. Natou parce qu'elle a fait des petits chiens et tout. C'est du ok. Il y a ok dans son pseudo. Non, c'est pas ok. C'est quoi? C'est comme ça. Non, c'est quoi cet objet? C'est une. Un club. Non, c'est pas du golf, c'est du ok, tu m'as dit. Le petit pour jouer au hockey, c'est quoi? Une patineuse. Non, tu connais pas le petit pour jouer au hockey? Ça semble si, mais là je l'ai pas en tête. Ça commence par un C. Une canne? Non! Un R. Une crevette? Elle est sérieuse! Il est tellement bien mon dessin! Après c'est un O. Cross! Pierre Cross! Ah! Quand même! Attends, elle est bien ou pas? Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Fallait que tu connaisses l'objet, mais. Ouais, voilà. Même... En fait, non, mais c'est ta faute, t'avais qu'à masquer le palais. Non, non, sans le palais, tu m'aurais dit cravache. Cravache, je sais pas quoi, crevette. Il est pas évident. Ok. J'ai pas vu. 1, 2, 3. Norman? Bah ouais. Ah, c'est quoi ça? Attends, il chante dans la forêt. Comment Garden? Ouais, nice. Comment Garden? Comment Garden? J'ai fait un jardin en fait. Tu vois, j'ai pris des petits arbres et des maisons. Ouais, ouais. Il y avait pas d'emoji jardin. Ouais, j'ai cherché les chaînes de musique la première fois qui m'est venue en fait. Comment Garden? Franchement, ok. Et le petit Norman. Eh, t'as vu avec le petit sapin qui peut être un Norman, le petit mouton là? 1, 2, 3. Louis-Anne. Ouais. Attends, c'est pas Android Phoenix ça? C'est. Oh, c'est Je ne suis pas jolie. Oui. Elle va se marier du coup. Ah, bien! Bien, bien, bien. T'as trouvé Louis-Anne avant. Franchement, pas mal. Et Louis-Anne, la nourriture japonaise avec le petit drapeau et le petit. J'hésitais à le mettre en plus. T'as vu, on en a pas tant des pareils. J'en ai deux que tu m'as déjà pris avec le chapeau là. Ah! 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 1, 2, 3. Cyprien. J'ai la même chose! Attends, c'est qui ça? Je réfléchis. La neige, flocon, garçon. Un Canadien peut-être. Non? Quelqu'un qui habite dans le froid, non? Comme tu vas savoir, tu vas rigoler. Nadège Candle? Non, c'est pas ça. Je sais pas. Neige. C'est neige. C'est une rébu. Ok.
ça peut t'aider. Neige, flocon, garçon. Le nom du youtubeur, c'est genre Neige, flocon, garçon. Salut à tous, ah, c'est Neige, flocon, garçon. Mais c'est qui? Attends, il neige, ça commence par neige? Non. Météo? Non. Froid? Frigienne? T'aurais pu. Et ça aurait pu ou pas? Non, c'est pas frigienne, non. C'est pas frigienne, ça aurait pu. Alors, je t'aide. Ça et ça, c'est pour la même syllabe. Je sais pas. Donc c'est ça veut dire que c'est froid, deux syllabes. Froid, gars. Froid. C'est froid? Non. C'est quelque part où il fait froid. Pôle Nord. Nord? Man. C'est une blague! C'est une blague! Toi aussi, t'as mis normal? Mais le, pas du tout de la même façon. On n'a pas fait dîner pareil. Donc moi, c'était bien. Beaucoup plus simple. Un garçon, un bouton et un sapin pour l'arbre. Norman. 1, 2, 3. Gay Tech. Je l'ai deviné. Non, c'est pas Gay Tech. Si, c'est Gay Tech. Ah, il n'y avait pas d'émoji vraiment Guy. Donc j'ai mis un truc sur la Guy, tu vois. Gay Tech, pas mal. Qui c'est qui a dit en première? C'est toi. C'est moi. Et Lola Divini, ça? Ouais, c'est avec ça. Avec le ballon. Oh, il est trop bien, hein. Petite référence à Rose Carpet et tout. Non, bien. Et Guy Hightech, le petit emoji Hightech, il est parfait. C'est moi qui l'ai créé, genre c'est moi qui m'y ai mis le tableau. Magnifique. Magnifique, facile, ça va. Pas mal. Si vous voulez vous amuser avec des potes et tout, vous pouvez faire ça, c'est carrément. Cool. Puis ça peut être fait sur plein de trucs, des films, ouais. Des expressions, il y a moyen de s'amuser. Carrément, c'est trop cool. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous dire, on pourrait peut-être refaire ouais, idées, ça pourrait être cool. Là, j'en ai un. Il n'est pas évident celui-là, mais réfléchis. Ok. 1, 2, 3. Caroline et Safia. Je sais pas, une blonde avec l'autre, elle a volé la chaîne de l'autre. Alors, la couleur de cheveux, tu t'en fiches. C'est juste pour dire que c'est une fille. D'accord. Qu'est-ce qu'un gros nez? Attends. Ah, j'ai. C'est Sophie Riche. Oui. Sophie Riche qui s'est séparée de son copain. Génial. En fait, je voulais faire deviner Sophie en début, mais j'étais à Sophie, c'est impossible. Moi non plus, j'avais pas de saut, je voulais faire des trucs avec saut, mais attends. Sophie voilà. Riche, avec pas la rupture amoureuse, je... référence à ses vidéos, j'adore Sophie Riche, elle est géniale. Bah ouais, elle est géniale. Trop bien. Et toi, tu trouves pas un gros nez? C'est quelqu'un qui a un gros nez? Non, regarde, c'est qui ça? Enfin, je te dis pas. Je te dis pas, si tu regardes bien les émojis, il y en a que deux, tu devrais pouvoir trouver. Ah, c'est un médecin avec un nez. Donc? Ah bah c'est touche ton corps, non c'est non. Quoi dans ton corps. Non, c'est pas ça. C'est touche pas ton ça. Corps. Touche ton corps. Touché. En plus ça aurait été énorme parce que c'est le copain de Sophie Riche, enfin l'ex-copain de Grave. Sophie Riche. Donc il fait de la science. Docteur Nozman. Salut. Bien cool. Bah ouais, mais du coup tu t'es chier, t'aurais dû mettre le nose avant le même. Mais non, c'est docteur, c'est un docteur. Et bah ouais, mais il a un stéthoscope, docteur Nose ouais. Et puis Man, bon, toi il y a que toi qui mets un bon nom pour faire briller Man. Hein. Je me suis dit elle trouve docteur Nose. Ah ouais, non, pas mal. Bien ou pas? T'as vu, franchement, je me suis dit, c'est qui lui? Il fallait voir le petit stéthoscope autour du cou, là. Ah, aux petits oignons. Pas mal, c'est la moustache qui m'a perturbée, en fait. Ah, mais j'avais pas de docteur sans moustache, hein, je te baise. 1, 2, 3. T'es sérieuse? J'ai essayé de le faire, j'étais c'est trop compliqué, mais enfin, Miss Jirachi. Pas mal. Miss Jirachi. Je suis désolée, Lotus, ah ouais, cette vidéo. Le J et tout. C'est trop bien ou pas? C'était Jirachi. Franchement. Je suis désolée pour le petit caca. Bon, j'avais pas de syllabe chi. par contre, là, je le trouve pas du tout. Lama fâchée? Non, c'est comme ça. Par contre, mais en veille, parce que c'est. Ouais. Vénère par l'autre. Pas vénère. Mais t'es sur la bonne voie. Pas content. T'es sur la bonne voie. Pas content. énervé. Colère. c'est une syllabe. C'est une rébus, ouais. Dicton, parler, discours. Que tu vas savoir, tu vas faire. Ah ouais. Je connais, t'es sûr? Bah oui. Obligé. Ça aurait pu être une lettre, la première syllabe. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q. Dommage. N. Andy. Andy raconte. Pas mal. À vous. Andy. Andy. La N. Ah bien. En plus cet emoji il est parfait, tu vois. C'est la réaction de parler. Pas quoi. Mal. Pas mal du tout. Vraiment. Andy. Vraiment bien. C'est le premier que tu trouvais. T'aurais dû faire des chiens. Ah ouais bah oui. C'est trop simple. Non franchement il est. Il est compliqué à trouver.
Une fois que t'es sur la bonne voie, ça va en fait. Bon, du coup, t'as pas du tout compté les points. Ah ouais, non. Mais c'était marrant, je sais pas. Comme sur ta vidéo en fait. Ouais, c'est ça, c'était juste le challenge. Dites-nous dans les commentaires qui a gagné si vous savez. Bon, bah écoutez, on a fini. On a fait les 10 youtubeurs qu'on avait. Créé en emoji chacune, ouais, donc du coup c'était cool. Par contre, c'est vrai qu'on a passé du temps quand même. Hein, c'est... Fallait réfléchir, mais au final, on finit par trouver. Et je pense que pour n'importe quel youtubeur, on finira toujours par trouver quelque chose. Le tien était plus compliqué, je trouve. C'est vrai? Ouais, je sais pas. Ah, ouais. Parce que les miens, ils me paraissaient évidents après. Je sais pas. Andy, il était chaud. Andy, il était chaud. Par mais contre, Andy Phoenix, j'ai mis du temps, mais c'était parfait. Je l'aimais bien. Non, bah écoute, je suis contente parce que moi, au début, j'avais pas d'inspi du tout, mais c'est parti. Elle était pas chaude pour faire la vidéo. J'ai dit, si, réfléchis, regarde-lui, tu pourrais le faire comme ça. J'avais fait le rire jaune, c'est pour ça qu'on l'a pas fait dans cette vidéo. C'était facile, tu vois. Il y avait vraiment des petits trucs à faire. Non, mais carrément. Et du coup, on a réussi à trouver, c'était cool. Du coup, on vous laisse ici. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Ciao.